oramai nero che tocchi mette alla bebè qua qua. E meglio una tempo è! E anche mette a mia poi te ora! Ma te ho che con muria e coi! Ma tanto, tanto non te ma, mata! Noël Fahouvaki, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes responsable du pôle langue et culture polynésienne de l'enseignement primaire. On vient de voir ce moment très fort hein, avec une élève de Mangareva. Le Orero est-il aujourd'hui bien implanté dans toutes les écoles de Polynésie? Oui, effectivement, Lucille. Depuis la rentrée de 2012, le Orero est inscrit au programme de l'école élémentaire. Donc, effectivement, de la maternelle au CM2, et je dirais même dans les centres des jeunes adolescents, ce qu'on appelle les CJA, le Orero est enseigné. Alors, le principe, hein, c'est de déclamer son île, une légende ou un héros dans sa langue d'origine. Mais certains élèves ne la parlent pas forcément à la maison. Est-ce que c'est difficile, cet apprentissage? La langue, elle est présente à la maison. Effectivement, maintenant, c'est la pratique de la langue. On commence d'abord par amener l'enfant à comprendre sa langue. C'est ce que nous faisons dès la maternelle. Ensuite, au travers des situations de communication, l'enfant va vers la communication. Et concernant le Orero, on va dire que c'est un premier pas. C'est un premier pas concernant la communication. Parce que ce que nous avons vu hier au soir, c'est justement ces orateurs qui, je dirais, ont compris ce que c'est que le Orero. Nous avons vu des orateurs qui ont fait rire, qui ont communiqué, interagi hein, avec le public, qui ont su capter l'attention du public pour transmettre leur message. Et c'est ça. Et le Orero, c'est un premier pas vers la communication. Noémie Etoupéa, bonsoir. Soit tu viens de Toubouei. Comment t'es-tu entraînée pour ton Orero? Eh bien, comment je me suis entraînée? Ben, j'ai... D'abord, mon monsieur nous donne d'abord la feuille et on doit la réviser. Et c'est beaucoup de travail? Un peu. Et après, donc c'est toi qui a gagné petit à petit à chaque fois les concours de Orero. Oui. Et comment ça se passe sur scène? Il y a toujours un stress, un trac? Comment ça se passe? Oui, un peu. Mais quand... j'arrive au milieu, et bien ça y est, le trac part. Et ça va tout seul? Oui. Alors, Noël Fahouvaki, qu'est-ce que le Orero apporte aux élèves, justement? Alors, le Orero, qu'est-ce qu'il apporte? Avant tout, là, on a vu des enfants qui ont gagné une certaine assurance, l'estime de soi. Mais il faut préciser aussi que le Orero, il est travaillé dans la classe. Le Orero, la rencontre, c'est l'aboutissement, c'est le résultat de tout un travail qui a été mené en classe par l'enseignant avec ses élèves au travers d'un projet pédagogique. Comme disait Noémie, effectivement, il fallait revoir bien sûr le Orero. Mais en amont, il y a tout un travail de compréhension du texte, des visites sur les sites où ont eu lieu les faits mentionnés dans le Orero. Donc c'est un tout? Ah oui, c'est un tout. Cette édition, cette année, voulait s'ouvrir au triangle polynésien avec des élèves de Hawaï, de Rapa Nui, etc. Finalement, il y a un seul élève hawaïen qui est venu. Est-ce que pour les années futures, les prochaines éditions, on peut espérer que le Orero s'ouvre véritablement au triangle du Pacifique? Effectivement, nous avons ouvert au triangle polynésien. Certains n'ont pas pu venir parce qu'ils sont déjà pris dans certaines manifestations qui ressemblent à la nôtre. Je parle par exemple de ceux de Nouvelle-Zélande, de Rapa Nui, pareil. Pour l'année prochaine, ils se préparent. Pour l'année prochaine, et justement, l'objectif, c'est de tisser ces liens au travers des éléments linguistiques et culturels, par exemple le mot orero en hawaïen, olelo. Donc voilà, à partir de cela, tous les enfants peuvent comprendre ce qui se dit dans les langues, on va dire, de nos chers cousins. Merci beaucoup à toutes les deux d'avoir accepté nos invitations ce soir. La grande rencontre Orero sera donc diffusée lundi à 13h10 sur notre antenne. Merci beaucoup.